Bonjour. Nous avons vu la semaine dernière que, avec l'islam, finalement, ça sent un peu le désert. Et c'est justement cela qui rend cette religion étrange, hein, l'étrangeté du désert pour quelqu'un qui vit en Occident, qui vit dans la ville. Alors, il s'agit donc de s'immerger dans ce nouveau monde, hein, dans cette nouvelle religion, avec sa part d'étrangeté, et faire cet effort d'immersion. Je vous y ai invité à la fin du premier cours de la semaine dernière. Aujourd'hui, l'idée de ce cours, c'est de faire l'inventaire historique de la péninsule arabe au moment de l'émergence de l'islam. Hein. Nous sommes donc à la fin du VIe siècle, au début du VIIe siècle, sachant que la révélation reçue par Mohammed date de 610. Donc vous voyez, au tout début du VIIe siècle. Mais, comme on dit, l'islam n'est pas tombé du ciel. Hein, et dire cela est une affirmation qui n'est pas contraire, comme je l'indiquerai explicitement dans l'introduction de ce cours, n'est pas contraire à la foi musulmane. Hein. Il y a tout un contexte culturel, religieux, bien évidemment, dans cette péninsule, dans ce terrain, dans ce désert où Mohammed a vécu. Quelle est donc cette culture ? Hein ? Voilà l'idée de cours de cette semaine. Donc essayer de faire l'inventaire culturel, religieux, les différentes influences. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait aussi une religion polythéiste, il y avait différents cultes, comme notamment le culte des bétiles, c'est-à-dire le culte des pierres. Et c'est dans ce cadre-là que Mohammed va prêcher, hein, qu'il va prêcher l'islam, qui est d'abord une prédication. Alors, on va faire un peu l'état des lieux, le bilan de cette culture. On va essayer aussi de rendre compte de ce terme d'arabe. Quand est-ce que le mot arabe apparaît pour la première fois ? Qui l'emploie ? Quel sens a-t-il ? Vous voyez que je vais m'appuyer non seulement sur l'historiographie musulmane, mais aussi sur des données contemporaines de l'archéologie d'aujourd'hui. Et notamment, je vais faire appel à Christian Robin, hein, qui a fait un travail admirable, qui est chercheur au CNRS et dont les travaux ont grande réputation. Je vais vous renvoyer à des liens. Je vais aussi vous donner quelques photos de stèles qu'il a réalisées pour rendre compte de cet univers. Bon travail.